Merci beaucoup. Au revoir. Merci. D'abord, merci Isabelle pour le soutien continu pour les PMO, les SMO. Donc, c'est la fin d'un mandat vraiment important. Et pour nous, on va continuer à chérir ce projet et cet idéal-là longtemps après ton départ. Donc, merci. Donc, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Fernand et moi tentons d'organiser cet événement depuis plusieurs mois déjà. Ça devait avoir lieu à Ottawa en avril dernier. Donc, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à trouver un moment pour discuter aujourd'hui. Donc, comme Isabelle vient de présenter, le programme d'Activer le changement offre des opportunités d'apprentissage pour les PMO, mais également soutient les organisations dans leur activité d'engagement du public, puis d'engagement des jeunes à travers notre composante là, d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, on pourra en parler, si vous le souhaitez, un peu plus tard dans la présentation. Donc, mes diapositives sont bilingues, mais moi, je vais passer de l'anglais au français en tentant de parler lentement dans les deux langues. Okay, so let's start with the agenda for my presentation. I will focus mainly on the SMO report, which highlights the findings from our needs assessment conducted in the fall. I will talk about the objectives and methods of this need assessment. I will talk about the six central findings, the capacity building priorities, strengths and weaknesses identified by SMOs, and their preferred learning methods. I will then talk about the recommendations from based on these findings for the Spirit Change program. And then I will talk briefly about how Spirit Change pivot to adapt to COVID-19. As Isabelle said, our needs assessment was done in the fall, so a few months before the COVID, but we did what I call a rapid need assessment in March and April to ask SMOs what were their emerging needs, and then we helped them going through the crisis since the end of March. So we'll talk briefly about that at the end of my presentation. Okay, but first, the needs assessment. I will start with this quote because I think it reflects very nicely what we've heard from SMO. So it says, this program needs to remember how diverse the NGO community is and try to bring options to people and organizations that are urban, rural, and remote. Also remember that each organization can offer something the rest of us need to learn. We are learners and teachers at the same time. And I think it's a very good quote, because this is the spirit of the Spirit Change program, to see how we could collaboratively learn from each other as SMOs. So first of all, for the objective of this needs assessment, this is pretty obvious, but we wanted to give an opportunity to SMOs to identify their own needs. This program, the Spirit Change program, is for them. So we wanted to start with their suggestion of what should be the priorities during the 5 years of this pilot program. And then if we look at the numbers, so we got 252 responses from 150 unique SMOs, and we use 4 data collection methods. The process to collect and the different data collection methods were the following. So first, when we launched the program or the first activities in August and September, we asked in post-activity surveys what were their needs as part of this program. So we got 71 responses from these post-activity surveys. Then we organized roundtable because we also wanted to understand what were the needs in the different regions and provinces across Canada. So we held 5 roundtables in collaboration with our implementing partners, so in collaboration with councils. Then we launched an online survey, and in November, when we had our SPUR conference in Edmonton, we presented preliminary findings and then did a validation session of these preliminary findings. We then triangulated those data during the winter. I just want to show you briefly the framework we use for all these different data collection methods. So we've used 6 different capacity building areas. So resource mobilization,
program and project development, program and project implementation, external relations, and organizational development. And then we also have questions about their knowledge and capacity building needs for the SDGs, FIAP, and emerging trends in the sector. And for each capacity building areas, we have subcategories and we ask questions about the priorities among these subcategories. Donc, pour les six conclusions principales, donc je vais les passer en revue assez rapidement parce qu'ensuite, je vais aller un peu plus en détail sur, sur les différents résultats qui sont sortis de notre collecte de données. Donc, d'abord, la première conclusion, la priorité au niveau du renforcement de capacité est vraiment au niveau de la mobilisation des ressources. Donc, c'est vraiment le domaine qui est ressorti comme étant le plus important. Je vais vous montrer les chiffres un peu plus tard, là, mais on parle du 3/4 des organisations là, qui vont identifier la mobilisation des ressources comme étant la priorité dans le cadre du programme Activer le changement. Donc, si on regarde, c'est quoi les trois sous-catégories en dessous de la mobilisation des ressources? Donc, la première est au niveau de la collecte de fonds, ensuite au niveau du financement institutionnel, puis ensuite au niveau du financement innovant. Donc, la deuxième catégorie qui est ressortie comme étant une priorité est le développement des programmes et des projets. Vous aurez plus de détails là, dans le rapport qui vous a été envoyé. Deuxièmement, pour nous, il était nécessaire de faire la différence entre les besoins qui émergent des exigences des bailleurs et des besoins qui seraient peut-être des besoins de développement organisationnel à plus long terme, c'est-à-dire qui sont moins des besoins peut-être urgents, mais on voulait s'assurer que le programme allait répondre aux deux. Puis je vous donne comme exemple le fait de comment faire un plan de mise en œuvre de projet. Donc, c'est un PIP. Donc, c'est un besoin là, qui est très important pour les organisations qui viennent de se faire financer. Donc, on veut répondre à ce type de besoin-là. Ou comment faire en sorte que notre organisation réponde aux exigences financières d'Affaires mondiales Canada ou de d'autres donneurs. Donc, toutes ces questions plus liées à gestion axée sur les résultats, etc. Donc, on veut répondre à ces besoins-là, mais on veut aussi avoir d'autres, on veut aussi se concentrer sur d'autres types de besoins qui peuvent être au niveau des politiques internes, de la gouvernance efficace, la gestion des connaissances, du réseautage, de comment développer des partenariats. Donc, vous allez voir que c'est tous des éléments qui sont ressortis dans l'évaluation des besoins, puis c'est à nous comme programme là, de s'assurer qu'on répond à ses besoins. Ensuite, l'intégration des questions de genre. Donc, c'est vraiment revenu comme un thème récurrent là, dans l'ensemble de nos activités de collecte de données. Donc, on parle là, à travers l'ensemble du cycle d'un projet, donc au niveau du développement, de la conception du projet, au niveau du suivi évaluation, comment faire en sorte que ton projet soit pas seulement sensible au genre, mais soit transformateur. Donc, pour les organisations, on voit que c'est vraiment une priorité qui est centrale. Ensuite, on a posé des questions sur leur connaissance de la politique féministe et des ODD. Les organisations ont identifié qu'il y avait une bonne connaissance, je dirais générale, là, au niveau des ODD et de la politique, mais que les différents aspects de la politique pourraient être renforcés, leur compréhension de différents aspects pourraient être renforcés, et qu'au niveau des ODD, c'était plutôt au niveau des indicateurs là, puis des cibles qui avaient un manque de connaissance. Ensuite, la cinquième conclusion, qui est vraiment essentiel, là, qui revient à la citation que je mentionnais au début, c'est que les PME ont des forces qui sont diverses et ont des faiblesses qui sont diverses et qui sont parfois contradictoires. Donc, les organisations n'ont pas toutes les mêmes forces et toutes les mêmes faiblesses, ce qui exige donc des méthodes d'apprentissage de notre part qui sont flexibles, qui sont diversifiées, qui sont adaptées. Je vais parler un peu plus tard là, des forces qu'on a retrouvées et des faiblesses qui sont plutôt transversales à travers le Canada. Et puis, finalement, les méthodes d'apprentissage préférées ne sont pas toujours les méthodes les plus efficaces. Donc, on va voir que les organisations vont privilégier des méthodes qui sont à distance, qui sont encore une fois flexibles, qui ne demandent pas nécessairement énormément de temps et d'investissement, mais en même temps, on demande un accompagnement qui est continu. Donc, il y a certaines contradictions avec lesquelles on doit jongler quand on fait le design de nos activités d'apprentissage.
Now we'll dig a little bit deeper on the results. So here you have the numbers for the capacity building priority. So as I said before, you have resource mobilization as the top priority, and then number two is program and project development. Then we asked what were their second highest priorities. So we will remove the resource mobilization and the fundraising to talk about the other aspect. And then the number one was a program and project development. And then all the others were equal. So external relations, program and project implementation, organizational development, and sectoral knowledge. So they were, if I can find quickly the data. So program and project implementation was 23% and all the others were 18%. But these were the close ended questions. So we thought that maybe we had some blind spot because of the framework that we use. So we've also asked a few open ended questions to see what are their responses when we ask them what are their capacity building priorities. And this is quite interesting because we see different themes emerge. For example, well, the fundraising is still number one. It's always number one. But then in number two, when we analyze the data and regroup under larger themes, we realize that everything related to monitoring and evaluation, how do you measure impact, how do you do M&E for gender equality and empowerment, how do you do data collection, how do you do baseline survey, and all these questions around M&E were very important, and then everything related to gender equality in programming. So the gender equality component did not show up as a priorities in the close-ended questions because it was not necessarily a part of the initial framing. It was not necessarily mainstream across our teams. So when we asked open questions, everything related to gender was very ranked very high. So that's why we wanted to include it in our priorities. And a lot of our activities in the fall will be focusing and will be addressing gender equality as we will launch a gender learning series in the fall to talk about gender and hegemony, gender and testing. How do you move from gender sensitive programming to gender transformative programming? And we are partnering. We will partner with different organizations such as Digna or FIT to host these learning series. During the roundtable across with councils across the country, we've asked SMOs what were their strengths. So we have cross-cultural communication, volunteer mobilization, and contextual analysis, gender-based analysis, as the most recurrent strengths identified by SMOs. But as I said before, for example, the gender-based analysis, some province identified this as a strength and others as a weakness. And we can explain that by different factors. For example, in some provinces, there are community of practice focusing on gender. I'm thinking about the community of practice in Quebec, for example. And in other each province has their strengths, depending on provincial funding. And the Ontario is an example. The Ontario government was providing funding for M&E for several years. So OCIC did a lot of capacity building on M&E in Ontario, and there's also community of practice of M&E in Ontario. So these characteristics depends on the size of organization, on their location, on the capacity building priorities of councils in each province and region. So for us as a national program, we need to acknowledge these differences and adapt and also build on each other's expertise. The most recurrent weaknesses identified by SMOs in our roundtable were communication, IT, social media, and M&E. Okay, so we've also asked what were the key challenges to reach your ambitions. So I will go quickly on that one, but just to let you know what we saw from the
the respondents. So limited resources, which is coherent with the needs for resource mobilization. So limited resources in staff and time. A lot of them are volunteer-based organization. Then financial stability. Partnership, which is a very important one for us as SPUR, because each of our activities and learning activities are trying to encourage and foster partnership among SMOs. Board engagement and governance, and building internal capacity. So building, which is exactly the objective of the program. And finally, the last categories of questions we've asked is about their preferred learning methods. So this is our top five learning methods based on the respondent. And number one is in-person training workshops. So we know that for SMOs, the in-person opportunities are key. They are super important. The key moment in the program, such as the national conference, for them to meet other organizations is very valued by SMOs participating in the program. And so this will be a challenge for us, of course, moving forward with the context of the pandemic. But what we keep from that is the importance for them to have space to meet each other, to have space to learn from each other, which is why for each of our learning opportunities, we also find space for them to work together, to exchange best practices. I'm just going to give you one example. We did a risk assessment training in May and June, and we mixed asynchronous materials and live sessions. So we were sending them all the materials to prepare for the live session, and then when they will join the live session, it will be only for breakout session to discuss among each other. So we really value these time that they have and that they spend together. And this is when we read the post-activity survey, this is one of the things that they enjoy the most, this opportunity to connect with each other. Then the second one, webinar. But again, when we don't want to just do 1 hour webinar. And when we do webinar, we want to make sure this is connected to a learning approach. This is connected to learning materials. This is adapted to their specific needs, that they could come to the session and then test some ideas and share some ideas. And I would give more example when I talk about how we pivot our program. Online course. We are planning we just launched a RFP to do an RBM course in the fall. So the objective of this online course will be to have a two-level course, because this is also something that we've heard, that there's a lot of turnover. So sometimes you have staff who join who never heard about RBM, but then you also have staff who've been managing program with RBM approach since a very long time. So we need to have different levels. So we are developing an online course, RBM 101, and then this online course is mandatory for those who want to join an in-person course. Coaching and mentoring, this is something that we are testing right now with our fundraising training. So we invited the SMOs to attend a workshop, a health day workshop, and then they need to send an action plan to an expert, and this experts do individualized coaching with them. They provide writing feedback, they have phone call with them. So we are testing this approach for the first time. And I must say that for each of these different approach, we are asking a lot of questions afterward with participants, because we are testing different approaches, and we want to know how SMO learn and what are the best tools and the best methodology for them to lead to organizational change. And then my last slide on the report is the recommendations for SPUR change. Yes, Fernand? Je veux juste te rassurer, te rappeler de regarder le temps. Je vois le temps filer, puis pour permettre aux gens de poser des questions, si tu peux aller rapidement. Oui, parfait. Donc, je vais terminer rapidement avec les recommandations. Donc,
pour nous, à Activer le changement, ça, c'est un peu les 8 éléments qu'on a retenus de l'évaluation des besoins. D'abord, l'importance d'avoir des approches combinées, donc à la fois des activités en ligne et des activités en personne. Et lorsque c'est en ligne, d'y aller avec des méthodes asynchrones et des méthodes en direct. Donc, de vraiment combiner les approches qui font en sorte que les organisations, par exemple, qui sont gérées par des volontaires et qui ne peuvent pas nécessairement participer dans le jour, bien, ils ont accès au matériel à d'autres moments de la journée. Des activités de suivi, on sait que sans activité de suivi, l'intégration des apprentissages est vraiment moindre. Donc, à chaque fois qu'on a une formation, on organise une activité de suivi qui permet donc, de poser davantage de questions. Le choix du moment, c'est vraiment important, je pense particulièrement dans cette conversation-ci, parce qu'on veut s'assurer que les formations sont données à un moment stratégique dans la mise en œuvre d'un projet. Par exemple, on savait que les organisations financées dans le cadre du Development Impact Window étaient sur le point de commencer leur baseline cet hiver. Donc, on a offert une formation sur le baseline survey en janvier, février. Puis, certaines PMO nous ont même dit qu'ils ont regardé le matériel en se rendant sur le terrain pour s'assurer là, que leurs outils développés répondent aux meilleurs standards. Donc, c'est exactement ce qu'on veut continuer à faire, là, d'aller avec les cycles de projets, la mise en œuvre des projets, notamment des organisations financées. Ensuite, bon, des approches participatives, d'apprentissage collaboratif, j'en ai parlé durant ma présentation. On veut assurer une accessibilité. Ce qui nous différencie un peu d'autres programmes, c'est que nous, on veut vraiment aller à l'extérieur de Toronto ou de Ottawa ou de Montréal, mais on veut avoir des activités à travers le pays. Donc, de là, la collaboration avec les conseils provinciaux pour que, nos formations nationales soient mises en œuvre dans l'ensemble des territoires et provinces au Canada. Et finalement, données probantes, comme je le disais précédemment, les réponses à nos sondages ne sont pas nécessairement, par exemple, pour les meilleures approches d'apprentissage, ce qui permet le mieux de retenir les acquis et de mener à du changement organisationnel. Est-ce que c'est correct si je prends moins de 5 minutes pour parler de comment on a adapté nos activités dans le contexte de la pandémie? Oui, allez-y rapidement, 5 minutes. Parfait, merci. Donc, j'ai ici, vous allez voir là, quelques étapes qui ont été prises dès le début de la pandémie en mars. Donc, à ce moment-là, on est en train de mettre en œuvre notre première formation nationale sur la collecte de données. Donc, on en avait fait 3, donc 3 provinces, et il nous en restait 4. On a dû suspendre ces activités, mais ce qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'on a demandé à nos facilitateurs de créer des vidéos avec le contenu de la formation pour, puis là, présentement, on a ces vidéos pour chaque bloc de la formation. Donc, how do you do feminist data collection? How do you do community-based data collection? How do you use technology for data collection? Donc, on a vraiment différents thèmes et on a des capsules vidéo pour tous ces thèmes avec du matériel. Donc, si on n'est pas capable de reprendre à l'automne ces activités en personne, on a déjà le matériel pour les faire en formation à distance. Ensuite, fin mars, début avril, là, on a consulté de différentes façons environ 125 PMO pour savoir c'était quoi leurs besoins émergents. On a notamment eu un appel avec les 21 organisations financées. À partir de ça, on a lancé une série d'activités en ligne. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui est ressorti là, comme étant les priorités, les nouveaux besoins qui ont émergé dans le contexte de la pandémie. Donc ça, c'est des informations qu'on a rassemblées lorsque les participants se joignaient à un appel qu'on a fait le 3 avril. Ils devaient répondre quels étaient leurs besoins prioritaires. Et ensuite, on a testé ces besoins-là dans le cadre d'un appel. Donc d'abord, de comment soutenir les partenaires locaux à distance. Comment faire de la collecte de fonds dans un contexte d'urgence et comment faire une analyse de risque et des plans de contingence pour adapter sa programmation. On leur a demandé aussi de quelle façon, là, compte tenu qu'on ne pouvait pas faire de rencontres en personne, de quelle façon ils voulaient apprendre. Donc là, vous avez un peu les résultats. Donc, ce qu'on a décidé de faire d'abord, c'est de réunir des organisations, un peu des champions PMO, et les inviter à partager leur propre expérience, comment depuis le début de la pandémie, ils s'étaient adaptés. Donc, on a fait un premier webinaire là, qui était vraiment sur le partage des expériences. Ensuite, notre deuxième formation, je vais passer un petit peu plus de temps sur celle-là parce que je pense que ça va répondre un peu aux questions initiales d'Isabelle.
Avec cette formation-là, on a vraiment testé une approche d'apprentissage à distance qui, j'espère, là, va remplacer certains aspects des rencontres en personne. Donc, on a fait une formation sur 3 semaines avec 3 modules différents, une cohorte en français, une cohorte en anglais. Puis, on avait vraiment un mix de différentes approches qui permettaient aux participants de regarder le matériel au moment où ils le souhaitaient. Donc, s'ils avaient de la conciliation travail-famille ou d'autres enjeux, ils pouvaient donc regarder quand ils voulaient. Puis ensuite, ils devaient faire des devoirs, préparer certains outils, répondre à des questions. Et durant la session sur le module, là, il y avait les interactions avec les autres participants, puis ils pouvaient poser des questions à leur expert. Donc, le niveau d'appréciation était très élevé, là, je vous dirais, de cette formation-là, puis de cette méthode-là, multi-angle là, qui permettait de s'adapter aux réalités là, qui est parfois difficiles des organisations pendant la crise. Puis finalement, on a fait une formation qui va se terminer la semaine prochaine sur la collecte de fonds en situation de crise. Donc, je vais vous laisser sur cette citation qui résume assez bien là, l'esprit là, que j'ai essayé de présenter durant cette session aujourd'hui. Pour nous, le développement organisationnel, c'est plus que d'organiser des webinaires, là, c'est vraiment de réfléchir à comment on accompagne les organisations en créant des cohortes, puis des groupes de support, et puis en les intégrant d'une formation à l'autre là, pour avoir vraiment pour que les liens se créent aussi entre les PMO. Donc, c'est ça qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant avec des bons résultats, puis c'est ce qu'un des participants de notre formation du mois de juin, c'est ce qu'il résumait en fait dans son évaluation. Vous avez probablement tous reçu donc ce dashboard là, de notre première année, puis je pourrais le renvoyer à Fernand. So you have the overview of the first year, which is not actually 1 year because our first activity was in August, but it's about like 10 months of the Spirit Change program first year, and you have the distribution of SMOs by province and region, and how many unique SMO we've reached so far since the beginning of the program. Thank you. Merci. Merci Isabelle. Merci Fernand. Merci à toute l'équipe.